France Inter, Patrick Cohen, le 7 novembre... Dominique, Seau, les pays membres de l'ONU ont adopté vendredi de nouveaux objectifs de développement d'ici 2030. Oui, les Nations Unies ont avalisé une série d'objectifs à atteindre pour la planète dans les 15 années qui viennent. Éducation, pauvreté, scolarité, environnement, etc. La liste est longue. Mais la question est, à mon avis, autant de savoir si les objectifs précédents ont été atteints. Par exemple, sur la diminution de la misère et de la faim dans le monde. Sujet essentiel, sujet existentiel, mais hélas, pas un sujet qui passionne, car depuis l'an 2000, tenez-vous bien, la presse écrite, alors j'ai pas regardé les archives audiovisuelles, a consacré une centaine d'articles, pas plus, au suivi de ces objectifs, mille fois moins sans doute qu'aux bisbilles infantiles du PS ou des républicains. C'est absolument sidérant, ça n'est pas à notre honneur. Alors maintenant, sur le fond, où en est-on Des progrès considérables ont été accomplis, mais euh, on est encore loin du compte. Le nombre de personnes vivantes dans l'extrême pauvreté avec moins de 1,25 dollars par jour est passé entre 1990 et aujourd'hui de 47% de la population des pays en développement à 14%, c'est impressionnant. La faim a diminué aussi. Et Ayons à l'esprit que nous sommes bien plus nombreux sur la Terre. Il y a 2 milliards d'individus en plus depuis 25 ans et 1 milliard de moins, euh, en moins dans la misère. Bref, la planète réussit à faire vivre un peu mieux et à nourrir davantage de monde. Ça, ça n'était pas gagné d'avance. Mais il y a des nuances à apporter. De oui, alors euh, la plus évidente, c'est que le recul de la misère doit beaucoup à la Chine. Le taux de pauvreté y a baissé de 94%. En Afrique subsaharienne, on en est loin, très loin. Les objectifs officiels n'ont tout simplement pas été atteints. Une personne sur quatre souffre encore de la faim. Ça reste naturellement un scandale. Donc, progrès oui objectifs mondiaux atteints, oui, mais progrès inégaux. L'autre point discuté est l'indicateur de 1,25 des 1,25 dollars par jour fixé il y a 10 ans. Est-il encore pertinent Dans quelques jours, il passera après 2 dollars par jour. Les progrès seront encore là, mais ils seront moins nets. L'ONU s'est fixé 17 nouveaux objectifs. Oui, et 169 cibles précises. Eh bien, beaucoup d'experts des ONG estiment que c'est trop et qu'à viser trop large, on va noyer et rater les cibles les plus importantes.